On va directement passer aux skins. Est-ce que vous êtes prêts? Dans les skins, croyez-moi, on a du lourd, lourd, lourd la Team Burger. Dans les skins, il y a au moins peut-être 3000 euros de skins juste sur quelques skins. Et après, si on calcule tout, il y a peut-être minimum 3500 euros de skins. Vous n'allez pas être déçus, la Team Burger. On est parti dans 3, 2, 1. C'est parti, let's go, et là! Bonsoir Paris! Baby. Logique. Vous êtes mes girls. Vous êtes mes fesses. Yo la Team Burger, c'est Paul, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo que vous me demandez de plus en plus, c'est mon casier. En ce moment, je sais que ça fait au moins plus d'un mois où je n'ai pas présenté mon casier. Et vous savez, pigeon que je suis, team pigeon, etc. dans les commentaires si toi aussi tu l'es. J'ai vraiment mis beaucoup d'argent sur Fortnite récemment et j'ai acheté vraiment beaucoup de nouveaux skins, de nouveaux packs, etc. Et j'ai eu aussi par l'occasion beaucoup de nouveaux skins exclusifs et de skins qui augmentent la valeur de ton casier. Du coup, je me suis dit, ça fait plus d'un mois que j'en ai pas fait, c'est le moment d'en refaire une. Et en live, en plus de ça, tous les soirs, vous me demandez ça de plus en plus. Du coup, je me suis dit, il est temps de le faire. Voilà la vidéo casier que vous avez tant demandé. Du coup, pour cette vidéo, je compte sur vous pour être présent au niveau des pouces bleus. On va se dire 5000 likes sur cette vidéo. Je sais que c'est énorme 5000 likes, mais si on les a la Team Burger, je vous réserve du lourd. Et bien évidemment, en plus de ça, s'il y aura les 5000 likes, il y aura des nouveaux épisodes avec mon casier dans quelques semaines, ou même avec des casiers des abonnés si vous avez des contrats, etc. Passez sur Discord en description. Avant de commencer la Team Burger, chose importante, je tiens à parler du Utip. C'est vraiment très important pour financer pas mal de choses. Actuellement, les gars, le Utip me permet de financer que des giveaways, voilà, je vais réserver ça exclusivement pour les giveaways. En deux jours, on a ramassé 26 euros. Donc, comment ça se passe? Il est en description. Vous cliquez sur regarder une pub, donc il y aura ça là. Vous cliquez dessus et ça va vous générer une pub. Voilà, rien de plus compliqué. C'est très simple d'accès. Et si ça vous la génère pas, vous cliquez sur soutenir grâce à la pub. Et vous mettez aussi si vous avez moins de 18 ans ou plus de 18 ans. Moi, j'ai moins de 18 ans, donc je clique ici. Et du coup, vous avez une pub, vous cliquez sur play et ça génère gratuitement de l'argent à votre streamer préféré ou quoi. Merci à ceux qui le font, c'est gratuit, merci à vous. Et bien évidemment, la Team Burger, tout ce qui sera généré avec Utip sera pour financer des giveaways sur Twitter ou pour financer du cash prize des prochaines maps edits. Voilà, vu qu'on est déjà en train de travailler sur la V2. Et du coup, plus il y en a qui regarderont de pub, plus on pourra faire un cash prize élevé. Bref, avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous ceux aussi qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Je répète, c'est très important, on est 155 000 sur la chaîne. L'objectif actuel, c'est les 160 000. On les rush à grand pas. Merci à tous les abonnés, tous les nouveaux qui s'abonnent. N'oublie pas de me dire en commentaire une fois que t'es nouveau, une fois que tu t'es abonné, je te mettrai un petit cœur pour te remercier, te souhaiter la bienvenue. Et n'oublie pas la cloche, on est tous les soirs en stream, donc si tu ne veux rien louper, n'oublie pas cette cloche. Et il y a tous les jours une vidéo sur la chaîne, donc c'est très 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 important. Bref, la Team Burger va commencer directement cette vidéo. J'ai presque 31 000 de bucks, entre guillemets, j'en ai 30 800, ce qui représente un total de 308 euros, donc c'est déjà énorme. Donc la valeur du casier augmente. Ensuite de ça, vous voyez le palier, donc je suis bientôt palier 100. Donc évidemment, je suis là depuis le début de Fortnite. Malheureusement, j'ai pas acheté des skins rares pour ceux qui se demanderaient. Mais voilà, tout simplement, j'ai fini tous les passes de combat depuis le numéro 1, en gros, qui était passe de combat saison 2, vu que ça a commencé à la saison 2, logique. Et du coup, on va passer directement dans la boutique. Dans la boutique, j'ai déjà pas mal de choses, comme la pas croisée, la petite fleurette. Et bon, après, j'ai le petit skin boucanier. Voilà, je vous spoil pas plus. Mais je tiens à remercier tous ceux qui mettent le code créateur. Tout simplement, vous le savez, actuellement, il y a un concours sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire que aux 15 000 soutiens dans la boutique de Fortnite, je vous ferai gagner un skin iconique ou un skin Honor Guard. C'est à vous de choisir dans les commentaires lequel de ces deux skins vous préférez. Vous votez en commentaire. Et aux 15 000 soutiens sur Twitter, il y aura un tirage au sort. Mon Twitter est en description aussi. Et il y aura un tirage au sort aux 15 000 soutiens. Pour participer, je répète, c'est gratuit. T'as juste à mettre mon code créateur. N'oubliez pas qu'il se retire tous les deux semaines. Donc, si il se retire pour continuer à participer, t'as juste à le remettre par la suite et tu cliques sur accepter. Voilà, c'est très simple, merci à ceux qui le font. Bref, on va passer au casier. Du coup, on est directement parti. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire les sons. Donc j'ai tous les sons du jeu, voilà, vu que j'ai même acheté le premier son marathon qui était sorti dans la boutique pour 200 V-Bucks. Voilà, petit son intéressant. Les écrans de chargement, je les ai tous, voilà, j'en ai loupé aucun, normalement il n'y a aucun souci avec ça. Ensuite les camouflages évidemment, je les ai tous achetés. Alors moi je présume que c'est un espèce de défi que je me lance, c'est d'avoir tous les camouflages du jeu. Bien évidemment, j'ai tous les camos là actuellement, sauf ceux du pass de combat qui me manque. Je crois il m'en manque, si je dis pas de bêtises, il m'en manque que un, il est juste là-bas, voilà, c'est celui-là, il me manque, ouais, il me manque un camouflage, il me manque aussi une petite musique. Donc voilà, c'est pas très grave, je les aurai à la fin de la saison comme d'habitude. Ensuite, on va passer évidemment, voilà, les camos, je vous les remonte vite fait, les petits camos bleus, voilà, vous les connaissez, hein. Franchement, je vais pas vous les présenter tous, les camos, surtout le magma, c'est le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est celui que je joue actuellement. Ensuite, on va passer aux danses, et là, les danses, j'ai vraiment du lourd. Actuellement, mon casier a pris clairement un niveau level up comparé au dernier casier, niveau danse. Déjà, on commence
avec la danse scénario. Donc franchement, vous en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de cette danse. C'est la danse évidemment du skin iconique qui est offerte avec le pack iconique, voilà. Vous mettez une note sur 10 dans les commentaires, je compte vraiment sur vous. En tout cas, je kiffe cette danse. Epic Games ont fait vraiment un truc de dingue, donc je vous laisse l'écouter, mais c'est un délire. Ensuite, on a bien évidemment la piétinante, une émote de dingue. Rien à dire. Ensuite, on a une des émotes les plus rares du jeu qui est le floss. Passe de combat saison 2, très très rare l'émote qui a beaucoup de rareté. Une petite note sur 10 aussi, voilà, vous notez la scénario et le floss, magnifique. On a la pas croisée qui est actuellement dans la boutique, les bâtons luisants et un solo saxo, voilà, qui est vraiment une des danses mythiques sur Fortnite. Je vais pas tous vous les présenter, mes danses, j'en ai énormément comme vous le voyez. La pluie de billets verts, voilà, qui est très sympathique. Le Taichi, voilà, très sympathique aussi, popcorn. Et bien évidemment, j'ai aussi les deux autres émotes les plus rares, c'est-à-dire le Tagada U qu'on voit directement, donc c'est une des émotes les plus rares. Et le vert aussi, voilà, donc c'est les deux émotes les plus rares avec le floss aussi, donc en gros c'est les trois émotes les plus rares. Vous avez l'habitude, je vous les présente souvent dans mes casiers. J'en suis très fier de ces trois émotes, mais la plus stylée reste le floss. Et la celle que je joue actuellement, voilà, c'est tout simplement le scénario. Rien à dire là-dessus, scénario c'est la base. Ensuite on passe aux traînées, on va pas perdre plus de temps. Les traînées je les ai tous aussi, sauf bien évidemment les dernières dans le pass de combat actuel vu que j'ai pas fini. Et vous voyez toutes les traînées. Donc voilà, elles sont sympathiques les traînées, voilà. On va pas passer non plus 20 ans les traînées. Ma préférée c'est la volute, rien à dire là-dessus. Ensuite de ça la Team Burger, on passe au planeur. Et là, franchement planeur je suis assez fier vu qu'on a du lourd. On a du lourd au niveau des planeurs, c'est parti let's go. Et dans les planeurs on commence avec le coupé rétro, voilà, coupé rétro c'est la base. Il me manque un planeur légendaire, voilà, c'est le dragon nouvel en chinois 2000 V-Bucks. On a le cryo dragon, la base. On a ensuite le faucon. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel est votre planeur légendaire préféré parmi ceux-là. On a aussi le pyro dragon qui est avec le pack de lave magnifique. Et le requin laser, on enchaîne avec les ailes magiques magnifiques. Le planeur du pack Xbox, donc je rappelle j'ai le pack Xbox. Planeur galaxy aussi évidemment. Ensuite planeur fluo, petit hélico militaire. Papy qui est d'un ton, voilà, c'est sympathique. On a ensuite nounours scellé. Le planeur de la team Tomate, voilà, team Pizza, vous appelez ça comme vous voulez. Et le planeur de la team Burger, bien sympathique. Planeur du pack spécial, c'est un pack spécial. Et réflexe numéro 2, là, pour la variante. Et voilà, et évidemment, ce casier ne serait pas ce casier sans le planeur Mako. Planeur saison 1, fallait être level 25, un gros planeur assez rare quand même. Je suis assez fier d'avoir dans le casier, ça fait toujours plaisir. Et le reste, pas mal de tous les parapluies aussi. D'ailleurs, je les ai tous, dites-moi dans les commentaires si vous les avez tous, vous aussi. J'ai tous les parapluies du jeu. Voilà, ces deux-là sont rares aussi, passe de combat saison 2, le Royal et le Seigneur du Planeur. Bref, on va pas passer plus de temps dans les planeurs, on a déjà fait le tour au niveau planeur à mon goût. On va passer aux pioches, pareil, les planeurs, il y avait du lourd, comme je vous ai dit, vous avez vu le nombre de trucs légendaires. Pioche, il y a toujours du lourd à mon niveau, vraiment, je me suis amélioré au niveau du casier dans les pioches. Avant, j'en avais vraiment pas beaucoup, mais depuis pas mal de temps, ça s'est amélioré, on commence avec la pioche dans de la mer. La pioche Fossiaos, donc c'est mes favoris. La pioche fulgurante, voilà, la fulgurante, c'est la base. Dis-moi dans les commentaires si tu la possèdes. Franchement, cette pioche, c'est la base de base. C'est passe de combat saison 2, pioche du chevalier noir, bien stylé, bien badass sa mère. On adore, on apprécie, on valide. On a la hache stellaire, pioche galaxie. Marteau Queener, que dire, c'est la base. Je peux même pas vous dire de ne pas l'acheter. Terreur fluo, assez sympathique aussi, voilà, basique, hein, maintenant. On a aussi la pioche du skin Omega version Xbox. On a ensuite le saut, la pioche de Noël, la faux, marshmallow, la banane à pioche. On a la pioche du pack réflexe furtif, la pioche du sauver le monde qui est gratuite. Et on a la pioche du skin Omega, la pioche du skin PS4. Et plein d'autres petites pioches assez sympathiques comme celle-ci. Ces deux-là qui étaient dans passe de combat saison 2. Deux pioches rares aussi, je tiens à le souligner. Et le reste, après, c'est un peu des pioches basiques, je vais pas toutes les présenter. Pareil, celle-ci du pack grand froid. Et ensuite, on va pas passer au sac à dos la Team Burger parce que ça va vous spoil les skins. On va directement passer aux skins. Est-ce que vous êtes prêts? Dans les skins, croyez-moi, on a du lourd la Team Burger. Dans les skins, il y a au moins peut-être 3000 euros de skins juste sur quelques skins. Et après, si on calcule tout, il y a peut-être minimum 3500 euros de skins. Vous n'allez pas être déçu la Team Burger. On est parti dans 3, 2, 1. C'est parti, let's go. Et là, vous voyez déjà ce qu'il y a. Non, mais c'est un truc de délire. Tout simplement, déjà, mes skins favoris, c'est entre guillemets ceux que je préfère actuellement. Le Dark Knight, le Chevalier Noir. Que de vous dire, même pas vous demander de le noter dans les commentaires, sachant que je sais que vous allez le faire de vous-même. C'est un monstre ce skin. Voilà, un emblème de Fortnite magnifique. J'en vois de moins en moins des chevaliers noirs. Ensuite, un skin qui vaut quand même 400 euros, hein, qu'il faut acheter une Xbox. Le pack Eon, voilà, le skin Eon, moi j'appelle le pack Eon, mais voilà, le skin Eon, vu qu'il y a aussi 2000 V-Bucks derrière, une pioche, planeur comme vous l'avez vu. Skin Eon, voilà, magnifique, que dire, moi j'adore, je sais qu'il y en a plein qui le détestent, mais moi j'aime bien. Skin de la Team Burger, voilà, Team Burger en force, le boss burger, j'espère que vous l'avez vous aussi dans votre casier pour être la Team Burger fidèle. Ensuite de ça, voilà, le skin à 1000 euros, skin Galaxy, ça, hein, c'est vraiment
une pépite dans mon casier, ce skin. Évidemment, je l'ai eu il y a très peu de temps encore, voilà, c'est un truc de délire. Le skin iconique, qui vaut lui aussi 1000€, c'est le nouveau skin Samsung. Il est lourd, franchement, il est lourd avec le petit micro derrière, là, attaché à sa ceinture. Que vous dire, ce skin est une tuerie aussi. Pareil, ces deux skins-là, c'est un délire. Ensuite, skin lutin, on ne s'arrête pas là, comme je vous ai dit, il y a toujours des skins de plus en plus rares. Il est moche, mais il est rare, ça fait toujours plaisir de l'avoir dans ce casier. Et le skin du pack réflexe furtif, par la même occasion, le skin bien badass, avec un peu aux couleurs du skin iconique en noir et rouge, comme celui-ci, voilà, noir et rouge, par la même occasion. On enchaîne maintenant, voilà, on a vu les skins les plus rares, à la fin, je réutiliserai le skin iconique, vous allez voir, avec les skins comme ça, voilà, on va enchaîner avec les skins. Je vais pas vous les passer non plus pendant 20 ans, voilà, petit skin Nikon level max. Là, les deux skins molosses de guerre, on enchaîne skin Omega level max, skin Nomad aussi. Très simple de les avoir. Omega, c'était plus compliqué. Voilà, je suis assez fier de l'avoir quand même. C'est une petite pépite dans mon casier par l'occasion. Le skin Succube. La Valkyrie aussi, voilà, ardente. On enchaîne avec les trois voleurs de cœur. Hein, évidemment, toujours Epic Games. Toujours plus de voleurs de cœur, j'ai envie de vous dire. Agent d'élite. Agent d'élite sans le masque, je crois. Voilà, sans le masque aussi, évidemment. On a Harley Quinn. On a celui-là, le petit lapin. La banana. La banana de cette saison d'ailleurs. On enchaîne le petit skin Harry Potter qui m'a été offert par des abos aussi par Chat54. Merci à lui. On enchaîne, voilà. J'ai tous les nounours aussi, je sais pas si vous avez remarqué. Vous allez voir que j'ai tous les nounours, je les ai tous achetés. Team Burger, voilà, si vous avez aussi ce skin, vous faites partie de la Team Burger. On enchaîne. Vous avez vu que j'en ai énormément des skins, ça défile très 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 loin. C'est pour vous dire, là, j'ai vraiment niqué tous les skins. C'est ce que j'achète le plus sur Fortnite, les skins, de toute manière. Je kiffe les skins, voilà, petit skin. D'ailleurs, celui-là, je l'ai à peine joué, c'était vraiment pour l'event que je l'avais acheté, hein. On enchaîne. Et là, les skins bleus, honnêtement, que dire, c'est les plus beaux du jeu, hein. C'est tous ces skins-là, celui-là. Après cela c'est un peu moins bien, mais on enchaîne encore. Voilà, on continue. Skin Posca, skin Reflex, le skin PS4, skin Terror Flow et skin Terror Sombre. Voilà, et on finit avec les skins verts. J'en ai pas tant que ça des skins verts. J'en ai un, non j'ai même pas en favori, voilà, j'en ai pas tant que ça. J'ai qu'une petite ligne comparé au skin bleu où j'en ai vraiment plus. Skin épique, c'est là où j'en ai plus. Et skin légendaire, ah non c'est skin légendaire que j'en ai plus. Ah ouais, et du coup skin épique, on finit avec la Birdie, le skin Cactus, le skin Fléchette, le Luminex, la Madame Trèfle, la mitrailleuse, la Nocturna, protectrice écarlate, le petit skin ravitailleur. Et voilà, on finit comme ça avec lui qui est pas dingue. Mais celle-ci là dedans. En tout cas, on va rééquiper le skin iconique. Évidemment, qui dit skin iconique dit sac à dos Galaxy si vous le possédez. Bien joué à vous. Il y a aussi ces ailes qui sont pas mal. Bouclier chevalier noir, ça passe crème aussi. Ça passe crème aussi. Ça passe moins bien. Ça passe aussi. Ça aussi. Bref, voilà. On va quand même équiper, du coup, nous. Ah quoique attends, ouais, sac de frites ça passe. Mais nous on va équiper le sac à dos de la team Galaxy et de la team iconique. Voilà, c'est vraiment magnifique. Dites-moi un combo sur 20 dans les commentaires, une petite note sur 20 de ce skin, magnifique. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important. On rush les 5000 likes, l'abonnement, la cloche si tu es nouveau. Il y a tous les jours une vidéo sur la chaîne. Et n'oubliez pas le code créateur dans la boutique, Power Jumper en minuscule, pour participer au concours. C'était pour la Team Burger. On se dit à la prochaine, bye.